Ouais, c'est Antoine, il a commencé à taper le verre et c'est là où j'ai compris que je devais me lever. Et puis j'ai fait ma chanson et tout s'est bien passé. C'est l'excitation et une boule au ventre aussi. Mais faut savoir se gérer et rester concentré, on va dire. Ouais, c'est Antoine, il a commencé à taper le verre et c'est là où j'ai compris que je devais me lever. Et puis j'ai fait ma chanson et tout s'est bien passé. C'était Leto, un rappeur français. Ils ont validé, on va dire. C'est un joueur avec qui j'ai joué toute mon enfance, on va dire. On était dans le même club. Et pourquoi pas se retrouver sur le même terrain plus tard. C'est toujours un plaisir. Ah, je sais pas, hein, il allait vite, on allait vite tous les deux. On a jamais fait une course, mais ouais, on allait vite tous les deux. Dans un coin de ma tête, il y a toujours le Paris Saint-Germain parce que c'est eux qui m'ont formé et m'ont très bien formé. Et je ne sais pas si un jour ils voudront me récupérer. Ça sera à réfléchir parce que Paris Saint-Germain, ça reste le Paris Saint-Germain. Ouais, ça se sent que c'est une famille parce qu'ils sont très proches. Tout le monde parle avec tout le monde. Et le coach aussi, il est très proche des joueurs. Et bon, moi, je suis encore un peu timide. Je suis pas encore allé parler encore aux gens, mais ça vient petit à petit.